Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Nous, les Arthuriens, nous examinons l'humanité sous différents angles et perspectives. Nous savons que vous regardez tous à travers une seule petite lentille étroite ne nous servirait pas, ni à vous non plus. Nous savons également que pour vous aider tous, nous devons être efficaces et comprendre exactement ce dont vous avez besoin. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes si nombreux à nous retrouver la nuit dans le plan astral. Nous pouvons vous parler des problèmes auxquels vous êtes confrontés en tant qu'individu et des problèmes qui se posent à l'humanité dans son ensemble. Ainsi, en nous connectant avec chacun d'entre vous, nous pouvons voir comment différentes personnes vivent la même chose. Tout le monde vit actuellement une expérience différente sur Terre, car c'est ce qui est nécessaire pour que la source puisse bénéficier de tout cela et se développer. Rappelez-vous, la source est vous. Et vous êtes la source. Alors s'il vous plaît, ne pensez pas que vous souffrez au nom d'une entité qui existe en dehors de vous et qui n'est pas vous, car ce n'est pas le cas. Vous êtes là en tant que source, prétendant être humain, vivant des expériences humaines, ressentant des émotions humaines, et vous ajoutez tout cela à ce qui est vous. Les différences et la variété sont ce qui rend l'expérience terrestre si merveilleuse. La similitude n'est pas merveilleuse en tant que cela, même si vous aimez fréquenter des personnes qui partagent vos intérêts et vos convictions, c'est lorsque vous avez une sorte de différence d'opinion que vous avez l'opportunité de faire ce que nous faisons. Vous avez alors la possibilité de regarder quelque chose à travers les yeux de quelqu'un d'autre, parce que vous aimez cette personne et parce que vous voulez comprendre ce qu'elle vit. Parfois, vous ne pouvez pas comprendre ce que vit quelqu'un d'autre parce que c'est très différent de votre expérience de vie et de votre situation, mais vous pouvez faire alors preuve de compassion. Vous pouvez réaliser que la personne souffre. La personne ressent quelque chose qu'elle ne veut pas ressentir. Et vous pouvez comprendre cela. Et c'est ce que vous avez en commun avec tous vos semblables. C'est ce qui rassemblera l'humanité lorsque les gens comprendront une fois pour toutes que vous êtes connectés par votre cœur, par vos sentiments et par vos émotions. Vous n'êtes peut-être jamais d'accord sur le plan mental. Mais vous pouvez toujours vous identifier à la vérité selon laquelle quelqu'un d'autre ressent parfois ce que vous ressentez, qu'il vit une expérience humaine tout comme vous. Et lorsque vous reconnaissez que vous êtes tous un et que vous êtes tous liés de tant de façons possibles, vous pouvez vous aimer malgré les différences qui donnent à la source cette variété. Vous pouvez apprendre à faire la paix avec ces différences, au lieu de vous définir par elles et de vous regrouper en petits groupes. Chaque fois qu'un groupe diabolise un groupe entier qui est différent de lui d'une manière ou d'une autre, quelque chose de très contre nature se produit. Encore une fois, c'est l'esprit qui fait cela. C'est pourquoi nous tenterons toujours de vous convaincre d'aller dans votre cœur, de ressentir vos sentiments, les sentiments qui vous connectent et qui vous lient tous ensemble comme une seule famille humaine. C'est qui vous êtes, c'est ce que vous êtes, et c'est ce que vous êtes venu faire ici sur Terre, vous reconnaître les uns les autres, les uns dans les autres.
Après cela, vous passerez à l'étape suivante. La prochaine étape consistera à reconnaître la divinité de chacun dans tous vos semblables et dans tous les êtres à travers tout l'univers. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment. Merci. 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 Merci.